Bonjour. Bonjour, merci. Plus de 146 000 abonnés, ils sont scotchés en ce moment à vous suivre à travers notre chaîne Congo Live Télévision. L'actualité dominée beaucoup plus à l'est de la région côtière du Congo, au niveau de Sud Kivu. Le FARDC ont récupéré près de 10 bâtiments aux groupes armés où ils avaient occupé la région côtière du Congo. On va parler aussi de ce dossier. Zakaria Bababa, je demande à Joseph Kabila des explications concernant sécurité et infiltration à l'est de la région côtière du Congo, dont le chef de l'État, l'ancien chef de l'État congolais, Joseph Kabange, dont il maîtrise d'autres enjeux majeurs. On va parler du dossier Peter Tchani, où il a insulté le régime Nabino pour dire que votre régime est un régime sanguinaire. Vous acceptez des gens qui ont tué des milliers de Congolais au sein de votre régime. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Avant d'aborder toutes ces questions de l'actualité, Mwanamboka, comment se porte d'abord la santé politique de la République du Congo? Voilà, en tout cas, ça se porte de mieux en mieux. D'autant plus qu'en début au début de votre mission, vous avez eu à les dire que le FARDC vient de récupérer 10 bastions. Mm-hmm. C'est pour couper court à certaines rumeurs. Il fut un certain temps, beaucoup de politiciens, des aventuriers sur la classe politique, mm-hmm. Se sont contenté de vouloir ou de passer, divulguer des mensonges, de n'importe quoi. Lorsqu'il y a eu les débuts de cette guerre ici, où nous imposée par le Rwanda avec Kagame à sa tête, et que moi j'appelle les fieloks africains, parce que ceux qui sont là, les Nabarchi, Baloukaki et fieloks, ils seront de qui je veux parler, et à qui je fais allusion. Mm. On connaît, il y a eu des gens qui sont passés à la télé, aux diplomaties agissantes, il y a Ngenini. Même à deux jours, il y a levé, il y a embargo. Mm. Mais après, tant que c'était nous. Ils se sont dit que nous, on a échoué. Ok. Hein? C'est pour la toute première fois que non seulement le chef de l'État a cité le nom du Rwanda, mais il a cité nommément Kagame. Mm. Chose qui était impossible dans ces pays. On connaît le régime du président honoraire, le sénateur à vie Joseph Kabila. Nulle part jusqu'à ce qu'il est parti, je l'ai entendu en aucune fois ouvrir sa bouche pour parler de Kagame. Ok. À part le Rwanda, notre pays, et en bon terme, nous avons de bonnes relations avec nos voisins, mais en dehors du Rwanda. Mais il n'a jamais cité le nom de Kagame, comme on le fait aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que Malgré autant de fois le chef de l'État cite le nom de Kagame, mais rien ne change au niveau de l'Est de la République du Congo. Rien ne change, mais vous venez de me dire tout à l'heure. Tout le monde est informé. On vient de récupérer 10 bastions occupés par, jadis par le groupe armé M23. Mm. M23 qui est une... comment je voulais dire? M23 qui est un mouvement créé par les régimes sortants. Hein? Bercé, cajolé, on connaît, ils avaient tout préparé. Ok. Le même M23 logé ici à Kinshasa sous le régime de Tshisekedi. Non, je vais arriver là-bas. Allez-y. Non, je vais arriver là-bas. Allez-y. Créer et préparer, mise en activé par les régimes sortants. La preuve, quand vous voyez lorsqu'on s'attaquait, nulle part jusqu'à aujourd'hui, j'ai suivi ces gens-là s'attaquer au M23. Les Rwandas. Mm. C'est une aberration. Les M23, c'est une... marque ou un mouvement avec la marque mouvement du 23, c'est pas 23 quoi? 23 mars. 23 mars, créé par les régimes sortants. Tu connais? Et c'est. Créé par le régime sortant, réactivé par le régime entrant de Félix Antoine Tshisekedi. Je vais d'abord arriver là-bas. Allez-y. Un mouvement créé, la preuve, c'est la branche armée d'une formation politique bien connue. Et aujourd'hui, je disais à son temps, il y a les temps passés, je disais, ils vont disparaître, ils vont se fatiguer, ils se sont trompés d'adversaires. Ok. Et aujourd'hui, le monde commence à nous donner raison. Maintenant, on ne dit pas qu'il y a... C'est sur l'impulsion, la vision du chef de l'État, que cette mesure a été levée. Hein? On ne peut pas nous dire. Plus de 18 ans jusqu'à aujourd'hui. Mais on ne dit pas qu'il y a que le chef de l'État, il y a le gouvernement, tous les membres du gouvernement...
cette dynamique, mais c'est passé lorsque le chef de l'État a fait appel à la mobilisation générale. Okay. On sait qu'il y a les églises aussi qui ont marché, les certaines structures de la société civile, des droits de l'homme et tant d'autres, l'église catholique et tant d'autres, et c'est sous l'impulsion du chef de l'État okay. qui a fait appel à la mobilisation générale. Ok. Vous nous dites que nous avons activé. Réactivé. Non, réactivé. Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre Mandela. Quand vous suivez les messieurs, là, soi-disant, porte-parole du M23, il avait dit quoi? Ils ont échangé avec les chefs de l'État. Les chefs de l'État lui a dit quoi? Oh, on va prendre quelques militaires du MLC. C'était ça, non? Dans ses dires, à son temps, lorsqu'il avait dit. Admettons que tel est vrai. Mais Mandela nous avait dit, en politique, la première des choses, il faut garder son ennemi. Ne l'ai jamais quitté des yeux. Ok. Des deux, n'ai jamais coupé les ponts pour savoir qu'est-ce que l'autre camp mijote. J'ai dit, ça n'engage que moi, si tel est vrai. Ça n'engage que Modeste Tchouaméni. Laissez-moi terminer mon enchaînement. Allez-y, logique. Allez-y. Si tel est vrai, j'ai dit, Mandela l'avait dit. Je me souviens à l'époque de Joseph Kabila, j'ai suivi une fois la mère Mende qui disait, lorsque il constatait que papa Étienne ne disait mot, ça les inquiétait. Il disait, mais qu'est-ce qu'il est en train de mijoter? Il faut qu'on provoque pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de... Ça, c'est ma logique à moi. Okay. Si tel était le cas, les chefs voulaient voir qu'est-ce que ces gens-là préparaient de l'autre côté. Mais la finalité, c'est quoi? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Et au début, là, je suivais même les gens qui disaient, oh, il faudrait que le président de la République consulte Joseph Kabila. Qu'il le consulte, pourquoi? Tant qu'un ancien président, il a... Ou qu'il puisse nommer Roubert un ministre en charge de quoi? Décentralisation. De la décentralisation? Pour qu'on fasse des Kundabatoire et Bosco Tangana des généraux? Il y a quelques jours, vous avez appris ce qui était préparé. Les Rwandais qu'on a arrêtés, les cinq Rwandais là. Les quatre. Les quatre. Non, ils sont au nombre de cinq. On les a arrêtés où? Ici. À l'immeuble Interpol. Donc il y a des choses que ces gens-là mijotaient. Hein? Il faut approcher son adversaire. N'ayez jamais quitté des yeux pour arriver à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de mijoter. Bref, comme c'est une émission bilingue, maintenant il y en a le bas que le passage de l'AFDEL, c'est le malheur de ce pays. Très bien. Quand j'ai dit ça, c'est pourquoi. Tala Joseph Kabila. Atikali biso mboka ezan eti oza chauffeur ba pesi o camion moko ezan bon état. O koti na motuka o loba na première vitesse ba la moko tie motuka na 4e. Mutu e osala nini? E sauté. Tant on constate que sauté o lozo ni sa ata respecter régime à moteur 3e 2e po. Non ye ba la moko zongi na point mo. Point mo rakoti si ko 3e. 3e premier. Non écoutez, ça c'est du n'importe quoi. Donc c'est pour vous dire que voilà na etani na tikaki Congo. C'est pourquoi aujourd'hui quand nous nous référons à lui, ezaneti après okuma mutuka, OK au téléma quelque part, ba pneu dégonflé. OK pas quoi do, on le ba tiela on pépété OK olongoli ba pneu. Il y a camion, je parle du camion, je ne parle pas d'une voiture. Ba mutuka munene. OK ko zo ce qui part 20, OK ko tia mutuka na par 14. Et comme il y a des pneus qui sont fins à la balle, et comme il y a des pneus qui sont fins à la balle, c'est ce que nous sommes en train de réparer aujourd'hui. Très bien, moi, Namboka Modeste Tutu, parlons de cette province du Kasaï oriental dont le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi a visité récemment, ou a fêté qui même entré à Nouvel Ankouna. Récemment, alors, il y a eu l'organisation de 9e édition de la conférence de gouverneurs à Mbandaka. Le chef de l'État congolais a décidé d'aller visiter ses frères et sœurs du Kasaï, mais le loto comme on a Kasaï, il y a eu des tournements, il y a Mbong et Misala Wana. Yo étant que membre de l'UDPS, mais aussi ressortissant, il y a provincial, bon, on a été bien au Moko Baï Kasséen, beaucoup Linga, Tete Koulamboka, le deuxième mandat, et moi, Namboka Modeste Tchouaméni. Merci beaucoup, mon frère. Et surtout, il faudrait aussi rappeler et saluer les efforts, il y a gouverneur, il y a Lola, bon, moi, Namboka Fifi Masuka, Namoussala, Kousala, à qu'on respecte toujours vision, il y a Tete Koulamboka, Félix Antoine Tshisekedi, c'est une dame à féliciter, à encourager parmi ces actions, mais bino à niveau Kasaï, tokota la bino bolini vraiment mandat à te kolambo kate et à la encore renouvelé en 2023.
Ndeko, ce que vous avez archivé à l'émission dans les Kaka Awa plusieurs fois, dans le Bakana Bino, le pouvoir, c'est comme un train. Un train au Bakassin, Bako Lingate, et Kende, comme il faut. Laissez-moi là si ça va m'aider dans le Nangaï. Kende. C'est comme un train. Okumata, tu as l'endroit où par où tu vas descendre. On en connaît beaucoup. Tous ceux qui entourent le chef de l'État, ils n'ont pas la même vision. C'est entouré de requins. Le chef de l'État est entouré de voleurs, la plupart. Vous, les diasporas? Non, il n'y a pas que la diaspora. Il y a d'autres. Les gens. Il a mais sur 100%, 90%. S'il vous plaît, mon frère, les chefs viennent de nommer des conseils spéciaux. Oui. Il n'y a pas que la diaspora qui sont partis. Regardez sur la liste des conseils spéciaux. Il y a d'autres qui étaient avec les chefs ici, qu'on a éloignés. Et ils font partie de ces gens. Ne parlez pas de la diaspora. Oui, il y a ceux qui sont bons. Mais c'est, on doit rappeler aussi. Frère, laissez-moi terminer mes idées un peu, parce que là, vous allez me perturber. Allez-y. Quand on veut accuser la diaspora, Fayoulou lui-même, c'est une diaspora. Est-ce que vous le ici, on parle de Kassai. Ah oui. Parce que vous comprenez que le la diaspora, c'est n'importe. Non, non. Il y a ceux qui sont bons, il y a ceux qui sont mauvais. Fifi Masuka, coup de chapeau. Bravo, maman. Avec Kaboula. Nous voyons les œuvres. Et surtout, moi, la moitié a évolué, ma casse n'a qu'à ils ne sont pas des Kassaïens, quand même. Ils font preuve de leur compétence. Quand bien même, il y a beaucoup de gens qui nous ont traités des incompétents ici. Pendant que leur candidat valable, il est venu de l'île de Pesse, hein, on peut en citer 5 ou 6. Hein. Leur candidat, pour ne pas les citer, Chadari. Ses premiers pas en politique, il les a fait où? En dehors de lui. Je peux te citer Minako, Boshab, Théophile Bemba, tous ces gens-là. Mais tu ne peux pas me citer quelqu'un aujourd'hui. Sauf qu'à l'équipe Nandela, on voit que c'est un leader politique pur, produit pur, il y a PPD à sa terre. Ok. Bref, je voulais revenir pour vous dire que ces gens, en tout cas, nous supplions les chefs qu'ils chassent tous les voleurs qui sont autour de lui. Le chef de l'État, vous avez parlé, il a été se faire enrôler, Mandaka. Le chef de l'État, il peut se faire enrôler partout. Mais vous avez vu, vous-même, il a été là-bas, il s'est fait enrôler et Azongi a pris l'aller dans les Kassai. Les Kassai, il y a des contradictions. Il y a des gens qui nous parlent de 42 millions, d'autres 32, d'autres 30, mais j'ai suivi Moïse Nozang qui a dit que le maximum, il y a Moussala, il y a Moussala pour l'université, ça va arriver à 18 millions quelque chose. Et Bazouk est palier par palier. Mais nous demandons aussi à l'IGF, il y a routine d'équipe qui est enquêtée. Si réellement il y a détournement, qu'on nous arrête ces gens-là et que ces gens-là entrent en prison parce qu'ils sont en train de salir l'image de notre chef. Ok. Au moins, on a vu Balobarabatumusu, Balokaka Bango. Mais il y a certaines personnes qui se sont ensorcelées elles-mêmes. Oh. Tu étais chômeur quelque part, sans fonction, tu as étudié par. Parce que le chef a besoin des Congolais. A Bendio, à Tchonapemé, au lieu de l'aider. Non, non. Je commence à faire du n'importe quoi. Nous allons vous aider à disparaître. Quand vous rendez un mauvais service à notre chef, vous, le voleur, là, caché. Et surtout, on dit que vous êtes le privilégié à pouvoir. Vous ne voulez pas non, que... Non, que... je ne suis pas privilégié, je suis président. Vice-président, il y a ex-cellule Batété, là, aujourd'hui, Croix-Rouge, Nagombe, il y a Udepes. Non, lorsqu'on parle de privilégiés dans la province de Kassai, ils ont la province où ils ont privilégié. Mais je viens de dire qu'il n'est pas privilégié. Le chef de l'État, il est le chef de tout le monde. Tout à fait, mais il est natif. Mais ne dites pas, mais oui, il est de là, mais il ne veut pas dire qu'ils ont privilégié. C'est par rapport à quoi? Mais quand on dit aujourd'hui le Kassai, ils ont Mbujima et Mbimeza dans sincère moko. C'est pour vous dire, voilà, c'est que revenir sur ce que j'étais en train de vous dire, le chef a pris le pouvoir il n'y a pas longtemps. Il y a-t-il 4 ans, mon Amboka Modeste Tchichi 4 ans, ce que tu l'as dit, 2 ans et demi. Il y a Baninga Nabiso, il y a Bomangana Bomano, Tobomana. Mais dans les 2 ans et demi, là, il y a eu des ressortissants du Grand Kassai, mon Amboka. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Même autour du chef. Non, mon frère, c'est ce que j'ai dit. Je voulais donner un exemple. Allez-y. Omoni, ce n'est pas le fait d'être Kassaïen que tu peux être meilleur ou bien consciencieux. Hein? Au moins, il y a un slogan, ceux qui un Kassaïen, oh, tribalisme. Mais quand un Kassaïen trahit, il se taise. Je peux vous en citer. Allez-y.
François Béa, Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound. Dernièrement, un monsieur du protocole. Jean-Marc Kabound, il est du Kassai. Jean-Marc Kabound est du Kassai. Il l'avait dit lorsqu'il a été, vice-président de l'Assemblée nationale. Mais on a vu les ressortissants, la communauté. Kassaïen. Il y a Kassai occidental. Ok. Alors, il faut pas dire qu'il y a un discours à vous distraire. Quand on nomme un Kassaïen, s'il est compétent, il est compétent. Ne pensez pas que les Kassaïens ne méritent pas. Mais quand un Kassaïen trahit, il faut aussi ouvrir vos bouches pour dire que voilà qu'on a nommé un Kassaïen, voilà qu'il a trahi. Très bien. Par là, je voulais dire quoi? Allez-y. Tous les gens qui entourent le chef de l'État n'ont pas la même vision. Ok. D'abord, je ne cite les noms des personnes, mais je l'ai dit. Des deux, nous là, nous qui avons la base au sein de l'IDPS, nous parlons précisément à nos membres qui entourent le chef, ceux de l'IDPS, qui se comporteront très mal, eh bien, ils auront pour leur sort. Nous, on ne peut pas cautionner les gens qui ternissent l'image. Il y a parti Nabisso. Nous nous sommes battus pendant 37 ans pour que certaines personnes, en étant dans l'opposition, ils parlaient un autre langage. Comme ils ont pouvoir changer le langage, nous, on ne peut jamais cautionner un tel comportement. J'étais en train de dire que les chefs et les chefs de tout le monde. C'est pourquoi je l'ai dit, je déplore. Si réellement, il y a des détournements, il y a des gens qui se comportent très mal, je demande au chef que la justice s'en charge et que ces gens soient sanctionnés. Très bien, moi, Namboka. Parce que non seulement ils ternissent l'image du chef et l'image de l'UDPS. Je parle de ceux de l'UDPS. Très bien. Bon. Les autres, des autres tendances, des autres partis politiques, il faut de rappeler aussi l'actuel gouverneur d'éducation orientée, il est de l'UDPS, moi, Namboka. Mais j'ai dit, sans exception. Okay. C'est réellement, c'est ce que j'ai dit. J'ai commencé par dire que dans ce qui est à Kende, comme une banquette, n'a si. Que ce soit de l'UDPS qui sera impliqué dans les détournements, eh bien, ils n'ont qu'à répondre de leurs actes. Très bien. Aujourd'hui, le régime actuel est traité des sanguinaires. On l'a vu récemment, tout à l'heure, dans une vidéo, Peter Tchani, Oyakolobake, régime à Félix Antoine Tshisekedi, des Okoré, quitté tous les sanguinaires, Obakbomaki, dans les Nez, ou Tchikoleka, Lelo Bazana, Union Sacrée, et aussi plus loin encore, Bazana, la fonction, Bakwasime. On suit la vidéo et puis on se revit tout juste après. Et pour finir, vous allez nous ramasser Lambert Mende. Je termine par là. Chief, prenez la production, puis ça n'a qu'à 2 minutes. Vous allez nous ramasser Lambert Mende. Lambert Mende a été tshisekediste. Ensuite, il a combattu Tshisekedi, Aké Yusoral, Nakenga. Lui qui parle de transhumance à Moïse Katumbi. Ensuite, il vient soutenir Mouzé. A Monique Simbite, Aké RCD. Lambert Mende a été ma kila et ma congolais dans ma boko. Tant que je suis ma biso, papa Nyanga la katawana. Lambert Mende est dans la TV à Koumissabango. Tant que tu as courant na inga, ba Rwanda wana, Lambert Mende est dans la boko. Ce monsieur, il est parti en exil, il a quitté, il est revenu 10 ans avec Joseph Kabila. Je ne sais pas même 13 ans. Il a signé l'acte d'engagement, il a re-signé l'acte d'engagement. Mende au Zomona. Yende de Pesaké Koluka. Lambert Mende a bundi sa biso, Tshisekedi a koufi, kora Tshisekedi na poto. Moutano ou fouta kora Tshisekedi na kavo na poto a yebani, la kangi monoko. Mende a la pointe de presse qu'on a Tshisekedi Oyawate. Il a craché sur la dépouille du Sphinx. C'est lui que les Tshisekedis aujourd'hui vont aller ramasser ce délinquant politique pour venir faire le combat politique. La mère Mende qui a craché sur la mémoire de Rossi Mukendi. Quand Rossi tombé, quand nous avons fait la formation, Ambongoyo. On a dit que Moutoumo a confié l'Équateur, on a dit que Kinshasa Moutoumo a confié Rossi Mukendi. Yannick Chimanga est vivant, le petit frère de Rossi Mukendi, m'a appelé. J'étais au niveau du poids lourd. Nous étions avec Eliezer Tamboy. Dans sa voiture, les gens me disent, ma soeur Balégué Bela, Peter, Robima, il est vivant. Il me prend, comme il est le côté, il me appelle, Tiranakita. Eliezer est vivant. Je descends, je prends la moto, je vais à Saint-Joseph. Yannick Chimanga, le petit frère de Rossi Mukendi, m'appelle. Ton frère est mort. Je suis arrivé, tout le monde pleurait. Mende a refusé à la télévision. Mende a craché sur la mémoire de Mamadou Ndala. C'est des Abel, des Adef, tantôt c'est les autres. C'est ce monsieur-là, ce croque-mort. Merci, Peter Tchani. On va prendre pour mettre à la télévision. Merci. Nous nous y opposerons. Merci, Peter Tchani. Président Modeste Tutsi, au tali vidéo, au moins la mboka Peter Tchani, au Kolobake, régime Nabino, ils ont réinitié tous les sanguinaires, il y a ancien régime, yo en tant que moko et UDPS, et surtout vous êtes au pouvoir, au Kolobane, ni concernant Maloba, moi la mboka Peter Tchani. Mon jeune frère Peter Tchani, c'est là où il est. Parce que moi, je suis journaliste de formation. Et je l'ai dit, je prends. Même Mike Moukebaï, même Serge Kabongo à témoin.
Jules Bakanga, quand il y a un casier judiciaire, c'est moi qui ai fait les reportages. Tant que je me mets dans ma carte, et il sait. Aujourd'hui, vous êtes traité. Maintenant vous rappeler. Vous êtes traité de sanguinaire. Je viens de dire, ils traitent qui de sanguinaire? Votre régime. À notre régime. Oui. Mais eux, d'abord, là, ils font partie de notre régime. Parce qu'ils viennent de partir il n'y a pas longtemps. Ça, c'est d'abord un des deux. Leur chef. Leur chef, c'est qui? C'est qui, Moïse? Non, Peter Chani, il est journaliste indépendant. Non, c'est pour qui il a toujours voulu. Moïse Katumbi, à son époque, lui, il a dirigé le Katanga par... Il a divisé en côté. Tant que grand Katanga. Tous les grands Katanga. Que Moïse nous dise s'il a un bilan. Il a pris le Katanga avec combien de ponts? Il a construit combien? Mais les chouchous des Katangais, c'est Moïse Katumbi. Mais on... Chouchou. Oui, oui. Moi, je suis né et grandi à Lubumbashi. Hein. Mais aujourd'hui... J'ai quitté à Lubumbashi après avoir décroché mon diplôme d'État. Donc, je suis quelque part Katangais, je sais de quoi je parle. Allez. Mais je ne veux pas entrer dans ces débats de bas étage. Ok. Je voulais dire ceci. Moïse Katumbi peut nous dire, s'il a un bilan, à Joa Katanga, avec combien de points, tika combien? Combien de routes, tika combien? Kapumbi, c'est à son époque de Téloma Kamobakata Katanga. Vrai ou faux? Mais lui, deuxièmement, laisse-moi terminer. Allez-y. Moïse Katumbi a eu pouvoir. Il était devenu le commerçant numéro un. Sa femme vendait même les braises. Attends, qui est au Makala? Moïse Katumbi. Osoma Foufou, Moïse Katumbi. C'est ça un bilan? Moïse Katumbi traite notre régime de sanguinaire. Il peut nous citer, depuis qu'on est là, combien d'activistes des droits de l'homme ont été tués. Qui nous cite même un seul. Mais lui, nous, nous avons même aidé. Yeah. Azalagi en exil, nous l'avons retourné ici. Tu peux essayer un passeport. Franck Diongo, à qui j'ai dit, il peut ouvrir sa bouche en regardant sa femme et ses enfants dans les yeux. Kabila Kei, Koutou Atiké, Namakila, Bossani, Koutou, la prison. Mais nous, on peut citer. Parce qu'il fait partie. Il y a régime, il y a Joseph Kabila. Il peut nous dire aujourd'hui où se trouve Chebea, Fidel Bazana. Il peut nous citer mais tous les amis. C'est l'heure de leur régime. Moi, n'abord comme modeste, tu t'en peut-être tu n'as coloba. C'est Sanga. Mais je sais de qui il a parlé. Il veut parler de Lambert Mende. Eh bien oui. Oui, la transhumance politique. Donc là, on peut confirmer la dynamisme et la politique. Même des gens de l'ensemble. Ok. Moïse est avec qui? Pampa Mouzé. Mouzé à cause qui mina Zambi, faux procès contre la République va foutre Zambi. Aéko Zonga, comme il a régime à Joseph Kabila. 2006 jusque. Il est arrivé de quoi 2007-2008 jusqu'en 2016. Oyokinga, Babomi Chebe, Babomi Fidel Bazana. Il y a eu des détournements à tous les niveaux. Moïse Katumbi était là. Ce que j'ai dit, allez vérifier dans les archives. Alors, de quel sanguinaire je vais parler? Transhumance politique. Lui, Moïse Katumbi, il a commencé avec Joseph. Après. Akena Joseph. Après, à la nid des pêches dans mon Congo. Pour profiter, moi, de ma crédibilité. Après, Akena Jeval, à côté d'ensemble, et Nanine, dans la Mouka. La Mouka, Longwe, la Mouka, c'est l'union sacrée. L'union sacrée, c'est quoi Longwe? Vous voyez la transhumance politique. Un autre individu, c'est Sanga Obazana. C'est Sanga, c'est un rebelle. Mais c'est Sanga, il a fait la. C'est Sanga, à la campagne en 2018 pour Félix Antoine Tshisekedi. Non, il n'a pas fait la campagne. Si. Il a dit la vérité à Moïse. Que Awa Bisso, moi, je suis soutenir Fayoulou Té, parce que tu es quoi. Et puis, si ils doivent leur mandat à Fatshi, parce que dans Kassai, ils étaient cachés, bah, toi, Bengali, bah, les traîtres. J'ai dit, parce que je suis au courant de quelque chose, Fatshi a Benga, bah, on a podium. Non, bon, limite, ça va, on va, ça va, on ce que j'ai dit, c'est ça, on sait. Et gardez leur, parce que quand on a le bon, on a dit, il va blague. Gardez le jour, la date. Et l'heure d'aujourd'hui. 2023, ceux qui se sentent à côté de l'Assemblée nationale, ils souffrent. Prenez-moi pour un menteur. Oh. Je vous dis parce qu'il n'a pas la capacité. Oh. Je vous dis, il y a raison à les sous-souter. Il va payer pour son ingratitude. Je ne vais pas entrer dans des considérations personnelles, qu'on continue à avoir un débat, mais ceux qui disent aux abats sanguinaires, au moins des prisonniers qu'on a trouvés en prison, nous les avons libérés. Combien de gens au Bazala qui suspendaient dans la communauté internationale beaucoup de on a union sacrée. Suspendus jusqu'à quand? Les gens qui étaient sanctionnés. Oui, oui.
de la mer Mendes était sanctionné. Bin on dit on est union sacrée en quelque sorte. Mais est-ce qu'il y a que la mer Mendes? Mais c'est parce que là Peter Tchana côté des régimes la Binoua sanguinaire. Non, 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 je peux vous en citer beaucoup. Hein? Moïse a incriminé l'économique. Ils ne vont pas se voiler la face. Qu'il a la responsabilité de Joseph Kabila, où il était mal entouré. Lui était parmi les influents, l'intouchable d'air du régime Joseph Kabila. Mm. On en connaît quelque chose. Mm. Alors, il faut pas qu'il y ait une distraction, qu'il y ait une désorientation. Tout le monde sait qui est Moïse, il a fait quoi et il veut faire quoi. Très la bien. Preuve jusqu'aujourd'hui, quelqu'un qui s'est dit candidat va poser la question à la France 24 et autres. Incapable de citer nommément les noms de Kagame. Oh, moi, je ne suis pas un je ne serai pas un président pleurichard et je ne veux pas pleurer tout et tout. Et tout. Il va instaurer les noms de Moïse et de Kagame auprès de qui tu étais dernièrement. Il a dit aussi qu'il va instaurer un vrai état et les droits au Bino pour qu'on instaure été pendant le régime de Bino. Bon, heureusement, maintenant, la vie se zanane. Donc, aux gens qui s'en débat, il y a un candidat. Hein, on n'a pas besoin à Moutoyo 20 minutes pour que tu parles, on ne sait pas. Pas de cohérence dans tes dires, on ne sait pas par où tu commences, par où tu vas te limiter. Ah, faut avoir une tête hein, pour diriger ce pays. Hein. Okay. On ne va plus permettre cette histoire. Il y a Mobutu Ayaki, Azumboka, d'abord Kasavubu, Azumboka, Mboka Babels, des zéros. A commission à Mosokina 8, les gens qui ont 0, Mobutu Azui, Atikiangon a 10, les gens qui ont 0, Mouzaye, Atikiangon a 8, Kabila Zui n'a 0, Atikiangon a 3. Yo, il y a des gens qui s'habillent à 0, moins 3, ceux qui moins combien? Non, non. On a besoin de têtes pensantes, des gens qui réfléchissent, qui ont étudié. Moi, je ne peux pas entrer dans le débat de père et de mère, non. Et puis, je connais comment vous serez dans les jours à venir. Donc, il y a débat de père et de mère. Garde l'heure et le jour d'aujourd'hui. Au moins, l'alliance est au salaire. Matata Pogno. Fayoulou, parce que Fayoulou était à la recherche d'argent. Il a suivi les miens offrants. Fayoulou, Kabila, en passant par sa femme, même si lui dit mot, beaucoup mon alliance en négocie les banques. Mukwege, c'est un monsieur qui s'est sali, envers qui j'ai beaucoup de considération. Il s'est sali en voulant défendre un monsieur qui a détourné l'argent de la République. Oh, beaucoup mon lobao candidat valable. Tu voles l'argent de la République, ok, pour ton université, pas Nabino, et tu te dis que tu vas être candidat. Non, ça aurait été mieux. Tout le monde a qui quelqu'un comme... À ton université, na Congo, moi, n'ambo kamo d'est. Non, pas na Bango. Na Congo. Ça aurait été mieux sur la construction. Na qui n'a pas construit l'université. Mais ça... Lumbashi. Na province orientale. Mais Kindu, ça fait partie de la République. Kindu, ça fait partie de la République démocratique du Congo, moi, n'ambo kamo d'est. Ma baisse, elle est qui se dit, n'aimons bout, t'as qu'il n'a pas la bise. On va arrêter de distraire les gens. Ma tata a construit combien d'universités dans quelle province? Et vous voulez en faire un monsieur comme ça, au candidat probable? Non, tu as volé l'argent de la République, ça aurait été mieux. Nous, on a vu qu'on devait là. D'ailleurs, que cela me repose en paix. Qu'on devait là, c'est quelqu'un du bas Congo, il sait voter pour avoir bien travaillé. Voilà, voilà des vrais Congolais. Au moins, et puis c'était à l'époque de Mobutu. Les Congolais va garder en tête. C'est qu'a été ces messieurs. Il y a un moment qui va voter. Très bien. Et ma tata, il va passer où? Au minimum, en République, on n'est pas en Abino, on va mettre un valable. Non, non, il faut qu'on soit sérieux. Nous exigeons des élections au mois de décembre 2023. Félix Tshisekedi est déjà sortant. En décembre, il sera sénateur à vue. Fin de citation. Emmanuel Ramazan Tchadar, secrétaire permanent de PPRD. Vraiment, c'est rigolo. Hein? Nous exigeons des élections au mois de décembre 2023. C'est ce que j'ai dit. Félix Tshisekedi est déjà sortant. Malheur, en décembre, il sera sénateur à vie. Au moins, conséquence, il a créé un parti au pouvoir. Bon, on va reconsidérer Félix. Le seul parti qui a résisté jusqu'en 2016, c'est l'MPR. Le PPRD est où aujourd'hui? Le seul parti qui... Même pas 5 ans. Je vais répondre à ces messieurs. Félix Tshisekedi considéré déjà comme sérieux sénateur à vie. Il n'est pas dit que parce qu'on est dans une maison, Mpukumogwa Sali Makelele. Il faut tous s'intéresser, oui, peut-être que vous comprenez? Mais ça ne va pas nous préoccuper. Tu as dit qu'il y a un moment où tu as soit Nini Moko, soit Totche Bakisi, Akoufi. Nous sommes la jurisprudence, nous, l'IDPS. Mais quand le PPRD. En 2006, tu vois qu'il y a une élection,
Mais pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Pourquoi ils ont un double langage? Balobi, on ne doit même pas accorder une seconde. Tant qu'il y a une élection, Bakomi, oh, il faut que bah, revoir Biro Yakadima. Et puis, regardez là où ces gens sont en train de viser. Bah, restructurer Biro Yakadima. D'accord? De la CENI. Loi électorale. D'abord, les députés sont en vacances. La reprise, au mois de mars. Donc, on aura perdu 3 mois. Qu'on revoir comme constitutionnel. Mais ces gens, ils ne sont pas prêts. Avant 5 ans, il y a des gens qui vont disparaître. Vous verrez les gens. Bah, on considère Félix Antoine Tshisekedi comme sénateur à vie. Ils sont... Ils sont libres. Nous sommes en démocratie. Mais je te promets, garde l'heure et le jour d'aujourd'hui. Toko beta bango a été reposé. Fati, toko lia bango a été reposé. Avec quel bilan, avec quel bilan? Avec quel bilan? Moi, je peux commencer. Si tu veux, je peux t'en citer 5 ou 10. Allez-y. Tu veux? Régime Nabango. Gratuité et enseignement, c'est prévu dans la Constitution. Mais ça commence avec Joseph Kabila, moi. Il a commencé où et quand? Élément Liboso. Joseph Kabila, c'est un militaire, non général-major. Il a trouvé quand Kokolo, en quel état, et à Tikarangon, à Etani, où les enfants étudiaient même Nassé. Les lots qui étaient dans le Tchatchi, au Koutabana, Bazako Tanga, dans des salles climatisées, avec ordinateur sur la table. Kabila a dit Kabila, on a 18 ans, avec un budget de 4 milliards, na réserve à 900 millions. Le gouvernement Samba, na une année, au lieu que tu fasses un bandeau, tu as 50 milliards, tu as quelqu'un qui est. Une année, tout le monde de 4 milliards, les autres ont 16 milliards. Réserve d'échange de 900 millions de 18 ans, les autres ont 4 milliards. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que les gens ont réuni, les gens ont exploité les gens? IGF, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a créé IGF. Mais il y a un député à Mobutu. Fati a activé Kakamouké. C'est pourquoi nous nous disons. Aujourd'hui, 16 milliards de demandés au Cameroun est net sango. Mais les autres, au moins. Et on a mis tout le monde d'accord. Hein. Personne ne contredit. Banque mondiale, FMI, d'accord. Il y a 250 millions. Non, c'est en sérieux. Dans le domaine sécuritaire, il y a un domaine. Quel jour vous avez entendu Joseph Kabila citer le nom de Kagame? Dans le domaine sécuritaire, pour une première, où Bounagana, est toujours sous contrôle pendant plus de 5 mois. Mais on a dans le domaine sécuritaire. Kabila nous a organisé les élections 2018. La partie Moussoussou Yambo qui est imputé. Vous êtes au courant, oui ou non? Nani, nous avons dit Benga Nani. Nani, c'est comment encore le nom? Beni. Non. Nini Moko, où on n'avait pas organisé les élections. Vous êtes journaliste, je crois que vous êtes censé connaître. J'ai ignoré un peu. De quoi ça va venir? Mais je voulais quand même mettre fin à un mensonge. Oh, bah persister dans pendant longtemps. Parce que belé, tostokata. Bah, comment qui a Benga Kagame, mon frère? C'est ça, non? Oui. Il a appelé Kagame pour mon frère, mais Fati, Kagame est le président de quel pays? Vous pouvez me répondre? Non, c'est moi qui pose des questions. Ok, Kagame est le président rwandais, non? N'est-ce pas? Allez-y. Ok, mais Fati, le banquier, les Rwandais sont nos frères, qui l'a contredit? Et les gens le disent? Pourquoi est-ce que vous allez dissocier? Dites que Kagame c'est un Rwandais. Mais il se comporte mal. Revenons maintenant dans la Bible. Vous avez l'histoire de Caïn et Abel? Le fait pour Caïn de tuer son frère Abel n'a pas fait que Caïn cesse d'être appelé frère de Abel. Jusqu'à nos jours, référence à Caïn. Caïn, c'était le frère d'Abel quand même, il l'a tué. Mais nous allons dire quoi? Fati, les Rwandais, de manière générale, ce sont nos frères.
Et personne ne peut contredire. Mais sauf que Fielok ou Kagame, un génocidaire. D'ailleurs, le président avait dit, nous allons aider nos frères rwandais à se débarrasser de ce président rétrograde. Un oppresseur de son peuple. Certains Rwandais l'ont même dit. Alors, ce que vous avez dit, c'est Azaliboma. Le fait que vous avez Azaliboma ne fait pas de lui de ne plus être ton frère. Son frère là, mais Azaliboma. C'est comme ça. Toujours le PPRD par le biais de son secrétaire permanent Emmanuel Ramazani. Nous irons aux élections pour balayer la dictature Tshisekedi. Nous irons aux élections pour balayer ces régimes tribalistes corrompus. Et nous irons aux élections pour faire partir de voleurs au pouvoir. Emmanuel Ramazani. Fin de citation. Il peut nous citer tribaliste. Lui, il est swahiliphone. Lui, il est du Maniema. Je peux vous citer. Et les régimes de Fatshi sont les swahili qui en profitent. Oh. En commençant par le directeur de cabinet, Katangé. Oh. Premier ministre Katangé, président du Sénat Mouswahili Bahati. Maintenant qu'on nous cite, les Kassaïens sont combien? À part Fatshi. Président de l'Assemblée nationale Bandung. Sur les nombres d'institutions Tokende. Président de la République Kassaïen. Président du Sénat Nani. Bahati Mouswahili. D'accord? Premier ministre Nani. Mouswahili Katangé. Samalou Kondé. Président de l'Assemblée nationale Nani. Mbosso. Bandundu. Directeur, il y a cabinet, il y a chef de l'État, Nani. Niembo, Katangé. Alors en quoi? C'est régime tribaliste. Et puis à l'objet que nous sommes des sanguinaires. Mais ça, ça, on a affaire à des. Franchement. Hein? Ça, c'est un régime de bandits qu'on a connu dans ces pays. Les gens nous ont appris. Le régime de Kabila. Nous ont appris le banditisme au sommet de l'État. Le régime de Kabila. Mais oui, qui nous cite deux seulement, activistes des droits de l'homme au Baboma. Moi, je peux vous citer. Où est Kapangal? Où est Rossi Moukeni? Où est Floribert Chebert? Où est Fidel Bazam? Sikoto Koti Kotaba militaire? Où est Général Bouzamabe? Où est Mamadou? Où est l'autre, le Général Bahouma? Combien de membres de l'IDPS portés disparus? Eh! Batumba Bani, il y a IDPS. Nos membres. Est-ce que ces gens peuvent encore. C'est pour vous dire que. Et ça, on a battu Moussousou, atteindre le niveau, il y a l'icolo, il y a mal. Même ma camouillon, c'est anormal, ils ne prennent plus ça normal. Avant, on pensait que non, dans ma officine, c'est des. Mais quand même, mes amis, soyez réalistes. Ça, c'est une bande d'incapables. Et ils le savent là où ils sont. Je vous ai dit dans ma mission précédente 5 ans, PPRD, après l'élection en 2023, ceux qui va députer, bah, ceux qui n'ont 5 êtres, ceux qui sont en train de se 10. Donc là, vous êtes en train de préparer déjà votre. S'il y aura, par pitié, d'ailleurs, je suis très clément. Vous êtes très clément, vous? Oui. Ok. J'ai dit, s'il y aura beaucoup, peut-être 5, bah, tu as PPRD. Oh, bah, peut-être qu'ils se sont même mal bien comportés. Mais sur le nombre des membres du PPRD, gardez l'heure et les jours d'aujourd'hui. Très bien, Modeste, nous sommes presque arrivés à la fin. Ce sont des gens qui étaient là, en train de ici, combiner le coutard, pour monter coup contre tel. Maintenant, ils sont devant un fait accompli. Très bien, Modeste. Et ils vont payer. Très bien, Modeste. Nous allons les aider démocratiquement. Ceux qui vont piquer Christ, au même moment, au pito, au voyer, au tongate, au maman et au bagaille, depuis qu'ils sont partis, hein. Nous, ce n'est pas comme eux, oh, je suis malade, oh, avion qui est dans la Inde, non. Nous, et je vous. Nous sommes encore en janvier. Je crois qu'on aura d'autres émissions. Mais ça nous a très calme. Fatia, les gars, et ils le savent. Très bien, Modeste, si nous sommes arrivés à la fin. En face de nous, il n'y a rien. Hein? Toi, en printemps, tu as un musicien. En face de nous, c'est maïs. Il n'y a rien. Très bien, Modeste, si nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Malgré en face de vous, il y a maïs. Maïs, on peut être comme trop cher dans la ville province à Kinshasa. Ouais. Et l'on est de 500 à 1000. On ne fera pas tout par un coup de baguette magique. Très bien. Et on fait 18 ans. Kabila, ben m'a laissé les dollars à combien. Vous savez que ces gens sont en train d'embrouiller les gens. Quand je vois mon ami Nico Fay, Alekaganaba, Sak, Naba, Sucre, on connaît son côté où il est. Ça sera l'unique régime au monde. Oh, le dollar est matin, mais il est à la gaga stable. Kabila, Jean-Pierre Bemba a laissé les dollars à combien? Et Kabila, qui l'a laissé à 16,5? De 45 à 16,5, c'était qui? C'était sous le régime de qui? On doit arrêter de distraire les gens. Modeste, si nous sommes arrivés à la fin de notre émission, plus de 146 000 abonnés, vous avez ce coach Rolanda, un message d'Union Européenne, ça bon. Ouais, merci, on se prépare. Ce qu'on peut demander
au peuple congolais, à la population de Kinshasa et surtout à nos membres, il y a parti Nabisso, il y a cellule, Bakendeko s'enrôler pour que non seulement, tenant déjà sûr au-delà que Fatih Assia Lekana est là, pour que nous lui puissions lui donner une majorité. On sait que, n'est pas constitution Nabisso et prévoir, aucun parti ne peut être capable d'avoir 250 plus 1, mais que nous ayons trois fois plus que les députés qu'on a eu en 2018 au niveau national, au niveau provincial, et avoir plus de bourgmestres pour qu'on parle des conseils communs. Très bien, Maton Diming, mon amour, comme on dit. Merci beaucoup, je remercie notre secrétaire général, Augustin Kabouya, et le président fédéral Claude Kabala, et le président sectionnaire Albert Boula, et maman présidente Gisèle Mbeyi, et à tous les membres à qui je dis merci. Maton Diming, mon amour. Merci.